Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Alors avant de vous dévoiler la suite de cette vidéo, je tiens à vous informer que cette vidéo justement sera envoyée à Code QG et on les remercie de tout cœur s'ils nous uploadent. Ça nous ferait vraiment plaisir. Alors pour ce joli gameplay, c'est une triple nucléaire sur Black Ops 3 comme on l'aime. Évidemment, c'est au Haymaker fusil à pompe, réalisé par notre player Seniro, tout ça sur Fringe. Évidemment, c'est un véritable massacre. Et si vous avez bien remarqué, il tire au jugé, ça va vite, tu perds pas ton temps, tu rushes et tu tires non-stop, ça ne s'arrête pas, il n'y a que de l'ambiance partout où tu passes. Et pourtant, c'est ce que peu de gens font, et c'est une vraie solution. Si jamais vous voulez tenter des choses incroyables, tentez le tir au jugé. Sensation fort garantie. Donc si vous voulez une classe spécifique pour ce type de gameplay, je suis pas le réel spécialiste pour vous conseiller, mais je peux essayer de vous aider. Ça serait la moindre des choses. Tout d'abord, la classe, c'est le plus important, et je vous recommande un maximum de stabilité et de précision. Par exemple, viseur laser, poignée et cross. C'est plutôt utile quand on est en duel. Bon, après ce léger tuto Call of Duty, on va passer dans le vif du sujet, je pense que vous êtes là pour ça. Le fameux sujet, la fin de Black Ops 3. Alors oui, c'est tôt pour le dire, mais tout nous laisse à croire que les joueurs pourraient le délaisser assez vite. Et récemment dévoilé et ajouté, Black Ops 2 sur Xbox One a fait le carton qu'espérait justement Microsoft. Et on peut le dire, enfin je peux vous dire que ceci a vraiment marqué le changement. Et au vu de ce que la communauté attendait, Black Ops 2 sur Next Gen, maintenant on l'a. Mais que vont faire Sony? Un Black Ops 2 remasterisé, c'est à prendre avec des pincettes, mais la question reste toujours en suspens. Car maintenant, oui, il y aura moins de personnes sur Old Gen, vu que l'un des meilleurs Call of Duty est désormais sur Next Gen. Et c'est officiel, maintenant on a eu la confirmation d'un World War 2 uniquement terre à terre, avec la communauté qui se fait enfin écouter par Activision, on peut en attendre que des améliorations. Et depuis 3 ans, la communauté Call of Duty n'a rien lâché, ça a su donner le ton, pour se faire entendre, certes, ça a pris de longues années. Mais ça a fonctionné avec le Call of Duty 2017 qui revient aux sources avec une bonne guerre comme on les aime. Donc avec tout ça, tous les ingrédients sont réunis pour rendre Black Ops 3 complètement obsolète. Bon, l'espace d'un moment. Mais attention, il ne faut pas oublier le DLC 5 de Black Ops 3, annoncé par une rumeur par tous les fans, mais aussi officialisé full zombie, avec essentiellement des anciennes maps Black Ops 1 et Black Ops 2 pour l'unique plaisir des joueurs. Et c'est ce qui annonce pas mal de joueurs qui resteront sur Black Ops 3 et une partie sur World War 2. Alors évidemment, pas mal de questions commencent à se poser. Est-ce la fin d'un énorme Black Ops 3? Que va faire Activision? Que vont faire Sony? Évidemment, toutes les réponses, vous les aurez au fil des semaines ou au fil des mois, tout simplement. Et très important aussi, les amis, bon à savoir, la Too Much Velocity va se mettre au live à partir du mercredi, vendredi et samedi. Et ben dis donc, ça va rendre tout ça très dynamique. Voilà, et bien écoutez, en tout cas pour ma part, j'espère que ce sujet vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre avis dans les commentaires. Et pour ma part, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye les gamers, c'était Gaël.